cher bien-aimé. Nous sommes au temps du soir, l'heure de la parole. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, cher bien-aimé, amoureux de la parole du soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteur Isaac Allongi de France. Nous annonçons la parole. Rien que la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers abonnés, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Le puissant de Jacob. Pécor nous prions du matin. Oh Alléluia. Nous sommes Eva Mita Bernacle. L'œuvre de la dernière œuvre. La lumière du soir, la pluie de la vie saison. Oh Alléluia. Soyez bénis. Abonnez-vous sur YouTube. Nous sommes Isaac Allongi Ministries sur YouTube. Nous sommes Eva Mille Tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook. Abonnez-vous. Et vous qui êtes déjà abonnés, soyez bénis abondamment. Soyez bénis richement. Que Dieu vous fasse gracieusement grâce afin que vous soyez sur la liste des pas ce jour-là. Oh Alléluia. Ne ratez pas les départs ce jour-là. Abonnez-vous pour écouter la parole pure. Pour distribuer la parole pure. La parole limpide. La parole sans chichi. La parole sans ajout. La parole sans retrait. Nous sommes pasteur Isaac Allongi de France. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Allongi de France. Il y a beaucoup de vidéos élaborées pour l'édification du corps de Christ. Rien que la parole pure, la parole limpide. Avec le pasteur Isaac Allongi de France. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Évangélisation missionnaire, tabernacle. La pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir. La Shekinah. L'œuvre de la dernière heure. Oh Alléluia, soyez bénis. Avec pasteur Isaac Allongi de France. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie. Et vous annoncez la parole limpide, pure et simple, mais puissante dans sa pureté. Oh Alléluia. Nous sommes pasteur Isaac Allongi de France. Abonnez-vous, chers bien-aimés. Distribuez cette vidéo, partagez. Jésus-Christ est Seigneur. Oh Alléluia. Jésus est Seigneur. Christ est Dieu, l'Élohim. Oh Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui que nous vous annonçons. Sans ajout, sans chichi, rien que sa parole. La parole potable. Oh Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers bien-aimés. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de vous annoncer la parole du soir. La parole pure, limpide et potable. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui le véritable agneau du soir. Nous avons entendu beaucoup de prédications. Nous avons entendu les gens parler de la Pâque et de l'agneau. Mais nous venons vous présenter l'agneau du soir. Parce que nous ne prêchons personne d'autre. La Bible est notre absolu. Jésus-Christ est notre autorité suprême. Nous vous bénissons dans ce nom de Jésus-Christ.
Et nous vous disons shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers bien-aimés. Soyez bénis, surtout si vous partagez cette parole. Si vous la distribuez, vous contribuez à l'avancement de l'évangile, à l'épanouissement du royaume des cieux. Le règne de Jésus-Christ descend. Quand vous partagez cette parole, la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donnez la parole. Oh, alléluia. Un jour, nous vous parlerons de Pierre et des gens qui ne donnaient que ce qu'ils avaient. Donnez ce que vous avez. Si votre fort intérieur, le fond de votre fort intérieur est la parole, donnez la parole. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de la parole, tu ne parleras que de la parole. Si ton cœur est rempli de la haine, tu ne détruiras que de la haine. Si ton cœur est rempli de la méchanceté, tu vas détruire que de la méchanceté. Mais si ton cœur est rempli de l'amour de la parole, tu te lèveras le matin avec Jésus. À midi avec Jésus. Le soir avec Jésus. La nuit avec Jésus. Au réveil avec Jésus. Nous avons choisi une référence dans Genèse chapitre 3 au verset 8. La parole de Dieu stipule ceci. Alors, Adam et Ève entendirent la voix de Yahweh Elohim qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant Yahweh Elohim parmi les arbres du jardin. Il y a beaucoup qui aiment beaucoup se cacher dans les arbres. Et comme vous achetez, il était monté sur l'arbre, mais Christ l'avait vu. Mais là, Adam et Ève, qui avaient l'habitude d'entendre cette voix du soir, ce tonnerre du soir, mais qui venait comme une brise qui caressait leurs oreilles, qui caressait leur âme, la parole de Dieu adoucit, la parole de Dieu apaise. La parole de Dieu tranquillise. La parole de Dieu rassure et assure. Oh, alléluia. Ils entendaient, ils avaient cette grâce. Cette période est une période de grâce. Hein? Oh, alléluia. Comment les créateurs pouvaient chaque soir? En fait, ils venaient chaque soir dans les jardins d'Éden pour parler à ces créatures. Dieu, quand il veut parler réellement, pour les saluts, il vient parler le soir. Dans les temps du soir, bien-aimés, Dieu parle en tant que prophète, en tant qu'aigle, pour prendre son épouse, pour sauver. Il vient en tant que Dieu sauveur dans les temps du soir. Et il savait qu'ils étaient loin de ce qu'ils avaient entendu comme commandement, comme conseil paternel de Yahweh, de Dieu, d'Elohim. Et ils avaient choisi d'écouter l'autre. Écoutez, bien-aimés, le péché commence d'abord par entrer par l'oreille. Ils ont entendu, ils ont écouté l'autre. C'est là où la semence du malin entre. L'oreille. N'écoute pas n'importe quoi, n'écoute pas n'importe qui. Fais attention à tes oreilles comme tu fais attention à ton cœur et à tes pieds quand tu marches. L'oreille, quand il entend, vous savez, il transmet à l'âme et à l'esprit et ça descend dans le subconscient. Et ça devient une vie, ça produit une vie. Mais dans la dispensation de l'amour de Christ Dieu, dans la dispensation de l'agneau du soir, il était venu pour les chercher. Parce que quand il vient dans sa dispensation du soir, il vient en tant que prophète pour sauver. Et il ne vient pas pour punir. Il vient pour sauver. Et cette voix qui parcourait les jardins les temps du soir, qui venait comme une brise, et cette brise
pour ceux qui l'aiment. Elle caresse l'âme, elle sauve l'âme. Mais pour ceux qui ne l'aiment pas, cette brise devient un tourbillon pour emporter tout ce que le diable, toutes semences diaboliques, sataniques, que le diable a sémé dans le cœur, dans l'oreille de l'homme. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez. N'écoutez que lui. N'entendez que lui. Ne lisez que lui. Ne méditez que lui. Ne chantez que lui. Jésus de Nazareth et de Galilée. Mais comme ils savaient qu'ils avaient péché, ils sont allés dans les arbres, bien-aimés. Les arbres, ce sont des semences qui viennent de la terre.